là-bas, ils avaient l'air assez concentrés sur ce que tu disais. Hein. Oui. Oui, parce que ça les étonne déjà qu'un cavalier fasse le parcours en leur parlant. Mmh. Ça les a, je pense, un peu scotché. Puis tu respirais. Voilà, c'est la première chose que j'aurais dit. Apprenez à respirer déjà. Parce qu'une minute en apnée, c'est pas possible. Et puis de toute façon, le cavalier qui respire pas, le cheval ne respire pas non plus. Tu les as sentis concentrés? Moi, je les ai sentis très attentifs. Et puis, à bout d'un moment, quand ils ont vu comment ça se passait, je me suis permis, et puis que la jument était bien, que ça se passait bien, d'enchaîner les parcours et de les regarder au lieu de regarder mes distances. C'est-à-dire que quand je rentrais dans le double, ils étaient tous là le long du double. Et pendant les deux foulées du double, je les regardais, je dis ça, ah, tu vois, il est bien, machin. Et je voyais les deux, ils étaient comme ça, ils étaient dingues. Genre, que c'était. C'est ça, et la dernière ligne en 6 foulées, c'est pareil, il y a 2 foulées, bon, moi j'étais sûr de ma distance, et truc, et je les regardais, je regardais plus l'obstacle. Allez, là, je suis parti, ok. Dans ma distance, je l'avais. Je continue. Mes yeux sont sur le droit noir, je ne quitte pas. Là, j'attends, et là, je tourne. Et je les regardais, je dis, là, il est bien, le cheval est bien, ça va, c'est bien. Et je voyais deux, enfin, surtout deux filles, c'était comme ça. Là, et ça faisait drôle. Et puis après, quand j'ai sauté le dernier et que j'en dis une fois là, tu peux lâcher les bras et tu peux faire le lever de la victoire, est-ce que tu veux. Voilà, parce que tout ça, ça doit se faire avec la discipline, le respect du cheval, mais dans la convivialité et dans l'amusement quand même un petit peu. Est-ce que je leur ai dit, prenez du plaisir. Ils ont un enjeu énorme, il y en a deux qui vont partir là. Ils ont aussi un petit côté stress, ce qui est normal, mais ça reste un sport. Moi je dis, si tu te fais plus plaisir, t'arrêtes. Moi je me fais plaisir tous les jours, si demain je me fais plus plaisir, et s'il faut des rêves et du plaisir. Et si vous avez plus de rêves et plus de plaisir, que ce soit dans mon cas ou dans le leur, il faut passer à autre chose.